Qui est ce père? Très riche. Qui a-t-il beaucoup de biens? Il voit sa fille. Il voit son fils souffrir. C'est le moment de la mort à qui c'est. Alléluia. Pour le moment à qui c'était. Moi, je n'ai pas l'argent. Pendant que j'ai l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Pendant que j'ai l'argent. Amen. Si ça arrive comme ça, c'est que cet argent-là est l'amour à Madame Monté. Alléluia. Oh notre Dieu. Amen à mon malade. C'est lui mon père. Comment la cause fuit. La Bible dit, les lions sont la bouche de la tissèche. Il manque. Les lions sont manquent. Ils crèvent la faim. Qui est champion de que tu es là? Amen. Si théologiquement tu es champion, si biologiquement, biologiquement, tu es champion, alors spirituellement tu seras comment? Amen. Ah. Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Dieu ne t'a pas appelé pour échouer. L'échec n'est pas de Dieu, mon frère. L'échec n'est pas de Dieu, ma sœur. Tu n'es pas appelé pour être l'échec. Tu n'es pas appelé pour être le dernier. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas ceux qui étaient appelés pour perdre. Nous sommes appelés pour réussir. Je t'appelle pour réussir.
Amen. Amen. Oh non. Oh Dieu. Toi, t'as gardé les bagues pas souka. Voici pour les habits déchirés. Les tombes dans l'eau là. Arrête, mon frère. Oh, puis me le dis, frère. Oh, la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu. Oh, la vie de Dieu. Arrête, frère. Il y avait un homme qui était qui s'appelait Lazare. Il était pauvre. Mais il craignait Dieu fort. Il était en vie, marchait dans l'intégrité. Mais il était pauvre. La Bible dit, chaque jour, le pauvre Lazare, il partait dans la maison d'un homme qui était riche. Mais il est tombé là, il ne connaissait pas Dieu. Il ne priait même pas. Mais il était fortement riche. Il avait des travailleurs. Il avait des pierres. Chaque jour, il mangeait dans sa table. Le pauvre Lazare venait. Mais Lazare venait de m'envoyer sous la table de cet homme riche. Il mangeait des lunettes qui tombaient. Quand les riches mangent, quand les histoires qui tombent par cet homme qui craignait Dieu, Lazare, il prenait, il ramassait ça. Il mangeait. Est-ce que vous me suivez seulement? Amen. 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 Après, tu me suis? Alléluia. Amen. Sandra, tu me suis là? Écoutez, bien-aimé. Il ramassait le bien par terre. Il s'est contenté de ça. Mais il avait Dieu. Mais il craignait Dieu. Mais il marchait dans l'intégrité. Mais pendant qu'il y avait un monsieur. Pendant qu'il y avait un monsieur. Qui ne connaissait même pas Dieu. Qui ne priait même pas. Mais il était riche. Et la Bible dit, un jour, Lazare il est mort. Lorsque Lazare est mort, il est parti au paradis. Auprès d'Abraham. Abraham l'a accueilli. Mon fils spirituel. Assieds-toi à côté de moi. Quelques jours après, l'homme riche aussi. Il ne connaissait pas Dieu. Il est mort. Et quand il est mort, il est parti à l'enfer. Amen. Suivez-moi. Il est parti directement à l'enfer. D'abord à l'enfer, il y avait le feu qui priait. Alors lui, il criait. Sa souffrance. Et dès qu'il a levé ses yeux, il a dit à Abraham, avec cet homme Lazare. Lazare qui mangeait la nièce dans la maison de ce nom. Mais comme il connaissait Dieu, il est parti au ciel. À côté d'Abraham. Ils étaient tous dans la joie. Ils devaient manger. Ils étaient dans la joie. Mais l'autre riche. Dans la souffrance. Sur la terre. Il était riche. Mais là-bas. Il souffrait dans le feu. Il a dit, papa Abraham, alors, il a dit, père Abraham, s'il vous plaît, tu as à Lazare, tu fais pas à Lazare, détrempé le bout de toi dans l'eau pour me donner, parce que j'ai soif, je veux mourir, je souffre ici. Alléluia. Amen. Cet homme riche, dans la fin, il n'a pas commandé Abraham, mais il a commandé Lazare. Mais à qui Lazare? Pourquoi? Parce que Lazare, s'il était, il avait Dieu, mais il est mort pauvre. Donc même il est parti au ciel, cet homme-là, il continue à commander Lazare. Alléluia. Lui dans l'enfer, mais Lazare au ciel. Cet homme continue de commander Lazare. Parce que si la taille, sur cet homme, il était puissant plus que Lazare. Il n'a pas commandé Abraham. Parce que cet homme, il connaît que Abraham, il était puissant sur la terre.
t'a appelé pour dominer. Dieu t'a appelé pour dominer. S'il y a la pauvreté dans ta vie, tu dois comprendre que la pauvreté n'est pas l'esprit de Dieu. S'il y a les serments dans ta vie, tu comprends que les serments n'est pas de Dieu. La Bible dit, Dieu a créé un homme et une femme. C'est-à-dire, chaque homme, il a sa femme sur la terre. Et chaque femme, il a son mari sur la terre. Et toi, pourquoi les serments? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas appelé à cela. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'homme était calme dans le jardin d'été. Il mangeait, il vivait, rien de sa femme.